Herzlich willkommen zum Jahresempfang des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Bienvenue à la soirée des vœux de l'OFAJ. Vous incarnez un bel échantillon des milliers d'acteurs qui, sur le terrain, permettaient à l'OFAJ de démultiplier son action. Liebe Freunde des DFJW, lassen Sie uns gemeinsam auch 2016 den Deutsch-Französischen Jugendaustausch unterstützen. L'Europe, en ce début de l'année 2016, se trouve devant les mêmes défis. Intégration des populations réfugiées, lutte antiterroriste, perspective d'avenir pour la jeunesse. Das deutsch-französische Jugendwerk hat die Möglichkeit zu geben, voneinander zu lernen und damit das europäische Zusammenleben praktisch konkret zu erleben. Nous allons développer notre communication en direction des lieux où se trouvent ces jeunes éloignés des dispositifs traditionnels de mobilité. Je suis intimement convaincu que le projet fédérateur en ce début de 21e siècle soit celui de la jeunesse européenne. Aujourd'hui, il est peut-être encore plus important de promouvoir les échanges de jeunes, des échanges sur les valeurs, des échanges sur l'avenir de nos sociétés. Dank zahlreicher Initiativen wird die Vielfalt unserer Kulturen und die Schönheit unserer Sprachen in den Vordergrund gestellt. Pour la jeunesse en particulier, la mobilité élargit le champ des possibles, aiguise la curiosité, apporte une ouverture d'esprit, une ouverture aux autres, une ouverture à leur culture. Es geht darum, europäisch zu sprechen, zu denken und zu handeln. 2015 war ein sehr interessantes Jahr, weil ich ja in einem trilateralen Programm teilgenommen habe. C'est à travers les échanges interculturels que j'ai pu avoir cette mobilité, cette facilité d'aller voir ailleurs ce qui se passe. On a encore beaucoup de défis à faire pour encourager les jeunes à s'engager dans les relations franco-allemandes et d'une manière générale pour l'Union européenne. Europa als eine große Chance und weniger als ein Risiko sehen, das ist das, was das deutsch-französische Jugendwerk einzubringen vermag und genau das brauchen wir jetzt angesichts der vielen Krisen. On voit ce que je souhaite pour l'Europe cette année, c'est beaucoup d'initiatives. Plus de tension, le respect de toutes les cultures. Toujours rester unis et pas avoir peur. Je souhaite l'amour à l'Europe en général. Qu'il y ait moins de frontières. Que les gens aient confiance en Europe, de l'unité pour surmonter les obstacles. La compréhension. Savoir vivre ensemble, plus d'intégration, des temps un peu plus heureux. Freundschaft, Gesundheit, la liberté, du courage, Toleranz, que tout le monde vit en paix, Brüderlichkeit, Austausch.